Hey John, tu sais ce qu'on utilise pour ramener un Belge de la noyade? Non. Un défibrillateur. T'as déjà songé à l'euthanasie? Alors quand on parle des maîtres nageurs, c'est marrant de se dire que chez la plupart des gens, il y a une image bien conçue d'eux qui apparaissent dans leur esprit. C'est pas pareil. Bon d'accord, c'est une série télé américaine un peu exagérée sur les bords qui se passe sur les plages californiennes plutôt que dans la plupart des piscines en Belgique. Et heureusement qu'en vrai ça ne se passe pas comme ça chez nous. Au secours, mon fils est en train de se noyer! Ne vous inquiétez pas! J'arrive! Quatrième cette semaine. Et on est mardi. Le marchand de glace! Et en plus de ça, dans cette série, les mecs, c'est tous des mannequins avec la tablette de chocolat. Alors que la plupart chez nous. Et je parle même pas des filles. C'est bon, vous avez eu le temps de mater? Ok. Ah bah non! Ce n'est pas du tout pour ça que je regardais cette série, voyons! Enfin! Bon, je dis ça, mais des styles de maître nageur, il y en a plein, hein, faut pas croire. Possessif. Mais il est en train de se noyer, là, qu'est-ce que t'attends? Balance-tu ta bouée? Non. C'est ma bouée. Mareux. Vite! Il faut lui faire de bouche à bouche! Ouais, mais c'est un mec! Shotgun! Oh le bâtard! Courageux. Au secours, aidez-moi! Au secours! Aidez-la! Vicieux. Allez, Hubert, si tu veux réussir à nager, il faut se battre! Alors, il se débrouille? Ah, il galère quand même à sortir du sac, mais sinon ça va. Tête en l'air. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Normal. On ne court pas sur le bord de la piscine. On ne court pas sur le bord de la piscine. On ne court pas sur le bord de la piscine. On ne court pas sur le bord de la piscine. Quel subtil con. Bah ouais, c'est dangereux de courir sur le bord de la piscine. On pourrait se faire mal. Fonctionnaire. Monsieur, on a besoin d'aide! Je finis ma journée dans 5 minutes. Ça va pas être possible. Blasé. Tu vas où en vacances, toi? À la plage. Et toi? Au lac Titicaca. Quelle merde. Putain de métier. Celui qui a trop regardé Alerte à Malibu. Fou, c'est chaud ici. Je peux vous aider? Responsable. Les experts. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un adolescent, avec une balle dans la tête. Encore un qui a voulu courir autour de la piscine. Mais bon, il y a aussi des trous du cul parmi les gens qui vont nager. Monsieur, monsieur, on peut vous prêter une bouée si vous voulez, mais la poupée gonflable c'est dehors. Ce qui est marrant aussi de se dire, c'est qu'en Belgique, une fois que tu as fini ta formation de sauveteur, ton brevet, il est reconnu dans la plupart des pays. Ce qui veut dire aussi qu'il n'est pas reconnu dans certains pays. Genre la France. Au secours, je vois. Bah désolé, mon BCSA est pas reconnu en France. T'avais qu'à te noyer en Belgique. Et bon, le bon point positif dans le métier de maître nageur, c'est qu'on a la chance de voir des filles en maillot de bain toute la journée. Sauf quand c'est l'aquagym. Pour les vieilles. Et les types qui donnent les cours d'aquagym, ils ont des nerfs d'acier, parce que... Allez mesdames, on lâcherait en continu, c'est bien, allez, wouh! Allez les grosses, on bouge sa gélatine!
Sinon, nous les maîtres nageurs, on a un petit appareil spécifique qui s'appelle le pocket mask qui nous permet d'insuffler de l'air dans les poumons de la victime sans pour autant être directement en contact avec la bouche de ce dernier. Au cas où il puerait de la gueule. Moi, à chaque fois que je dois quitter ma maison, j'aime me nourrir exclusivement de maroilles à la crème d'ail accompagnée d'un jus de navet. Car j'aime ça, puer de la gueule. Enfin voilà, le métier de maître nageur c'est super chouette et c'est toujours cool de se dire que si un jour quelqu'un fait un malaise... Laissez-moi passer, écartez-vous! Je suis maître nageur. Voilà, si jamais un jour tu as besoin que je vienne te sauver de la noyade, abonne-toi d'abord à ma chaîne YouTube. Et si jamais tu es un mec... Désolé, mais j'utiliserai le pocket mask. Tchuss les gens!